Ensuite, vous nous interrogez sur les systèmes, les mécanismes de sanctions qui existeraient en cas de non-solidarité. C'est un débat que nous aurons dans le cadre des perspectives financières. Je suis pour ma part favorable à ce qu'il y ait des mécanismes, en effet, qui prennent en compte cela. On ne peut pas avoir des pays qui bénéficient massivement de la solidarité de l'Union européenne et qui revendiquent massivement leur égoïsme national lorsqu'il s'agit des sujets migratoires. Et donc je suis pour ma part d'en prendre les questions. Le deuxième pilier, c'est le renforcement de Frontex et donc de la protection extérieure de l'Union européenne, de l'espace Schengen, qui, je crois, fait peu à peu consensus. Cela fait partie des propositions que j'avais pu faire à l'automne dernier. Donner plus de moyens humains, matériels, juridiques, protéger les frontières et faciliter le retour des migrants qui ne relèvent pas du droit d'asile est une réponse indispensable à la situation que nous connaissons et qui est aussi une attente légitime de nombre de pays de première arrivée en Europe. Ce que propose le président du Conseil, Donald Tusk, c'est d'avoir des plateformes dans les pays de transit extérieurs à l'Union européenne. C'est un sujet sur lequel nous souhaitons pouvoir avancer demain et qui nous paraît pertinent. S'il est en conformité avec les propositions faites par le HCR. Mais ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir gérer les choses, non pas au cas par cas, mais de proposer véritablement un schéma clair de solidarité qui permette de répondre à ce défi. Et la proposition que nous discuterons demain, mais je crois sur laquelle nous avons l'un et l'autre une position commune, c'est d'une part que le débarquement respecte les règles et principes humanitaires du secours. Et en la matière, c'est le port sûr le plus proche. C'est qu'ensuite, dès le débarquement, nous puissions prévoir des centres fermés sur le mode de ce que propose le HCR, avec des moyens européens. Organiser des procédures. Qu'il n'y aurait pas de solution au sommet à la fois de demain et au Conseil européen de la semaine prochaine. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros tenemos y que hemos compartido con el presidente Macron? Desde luego que desde la Unión Europea tenemos que reforzar también no solamente en términos bilaterales del gobierno de España con los países de orígenes o los países de tránsito, sino también desde el conjunto de la Unión Europea, ese diálogo, ese necesario diálogo, ese inevitable diálogo que necesitamos articular y que se está, de hecho, haciendo con los países de tránsito y los países de origen. Con lo cual, en fin, no es el primero. C'est terminé. Merci encore au président Sánchez.